Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Voyage au centre de la Seine. Alors comme promis, donc une vidéo qui est consacrée au groupe italien Sinaoff, hein, un groupe que j'ai découvert récemment grâce à Jasper de The Ritual qui vient d'éditer 3 CD de ce groupe. Alors comme d'habitude, eh bien, cette vidéo sera disponible sur Metal News pendant une semaine, hein, en exclusivité. Donc n'hésitez pas à la regarder évidemment sur ce site, mais également aller un peu plus loin que cette simple vidéo. Allez regarder sur le site, il y a toujours énormément de trucs à voir. Et ensuite, eh bien, libre à vous de la partager, de la liker, de la commenter. Avant de parler de Sinaoff, dont je voudrais faire une petite annonce. Alors c'est Val de Thrash Record qui m'a demandé de le faire, parce que pour les 30 ans du label, enfin les 30 ans et plus, hein, du label donc, qui avait été à l'origine créé avec André Donomed, eh bien un projet de coffret de 15-45 tours, hein, de, entre autres de Carbonize, Bluvenant, XC14, Little Remains, All Funeral, devrait sortir si les précommandes attendent 400 exemplaires. Donc voilà, donc 400 exemplaires de ce coffret avec les 15-45 tours. Il y aura un livret de 8 pages avec des photos, des flyers et puis il y aura également les inserts originaux de l'époque. J'ai mis tous les renseignements donc en dessous de cette vidéo, hein, si ça vous intéresse. En tout cas, moi, c'est un projet qui me fait énormément envie. Voilà, donc s'il peut aboutir, ben, ce serait franchement génial. Surtout que ces 45 tours, pour la plupart, sont difficilement trouvables désormais. Alors, revenons donc à Sinaoff. Donc Sinaoff, donc, je le redis, est un groupe italien dont Jasper, donc de chez The Ritual, vient d'éditer donc 3 CD. Il les a édités au mois de juin, je les ai reçus en juillet, et j'ai passé une bonne partie de l'été à les écouter pour bien m'en imprégner, car c'est une musique qui n'est, dans le départ, pas facile d'accès, hein, qui demande quand même beaucoup d'écoute pour bien en saisir toutes les subtilités. Alors, pourquoi est-ce que Jasper a sorti ce CD? Eh bien, il faut savoir qu'il correspond avec un des membres du groupe depuis 1991. Hein, à l'époque, Jasper s'occupait du fanzine Fresh in France. Et il avait, voilà, suite à un flyer qui demandait d'envoyer une cassette vierge pour copier la démo du groupe. Donc, Jasper l'avait fait, il avait reçu la démo qu'il avait adorée. Et il est resté en contact, eh bien, durant toutes ces années avec l'un des membres du groupe, avec Fabio. Et comme là il avait envie de sortir quelque chose qui se tranche un petit peu avec son style, le style du label, hein, quelque chose qui sorte un petit peu des, bon, des traditionnels trash, black, def et ainsi de suite, et surtout parce qu'il adore le groupe, voilà, et Jasper fonctionne beaucoup au coup de cœur, d'où la sortie de ces 3 CD. Alors avant de vous les présenter, je vais vous faire une petite biographie du groupe. Alors, en gros, je répète, je ne connaissais absolument pas avant de recevoir les disques, hein. Voilà, donc c'est un groupe qui se forme en 1990 à Catalina, donc en Sicile, donc autour de Salvatore qui a la batterie, Fabio à la basse, Rob et Nicolas à la guitare. Bon, comme toujours avec les groupes à leur départ, des petits changements line-up et une première démo, Forged in Blood, pardon, qui sort en 1991. Donc à l'époque, le groupe est plutôt influencé par le death metal. Donc en 1993, avec encore d'autres changements de line-up, l'arrivée d'un chanteur permanent, voilà. Une nouvelle démo, donc Still in the Great Dying, sort sur Obscure Plasma Records. Elle sera rééditée en CD 2 années plus tard par Nosferatu Records. Et enfin, Sinaoff va signer sur Polyphemus Records et sort son premier vrai album, Research, un petit peu plus tard. Mais malheureusement, il va le splitter après la sortie de cet album. Donc en 2003, le groupe refait surface avec un nouveau chanteur, ressort Forget in Blood, en ajoutant des titres live de 1991. Donc Sinaoff va ensuite, tout au long des années 2000, alterner donc, des titres sur le net, un deuxième album, Under the Edges, en 2007, et puis de nouveau s'ensuit un long break, hein, qui prendra fin en 2014, avec le retour de Fabio, donc, qui avait déserté le groupe dans les années 90, et la sortie d'un nouvel hippie, donc Mounders of Doom, sur Final Offbeat Production, et qui est limité à 500 copies. En 2017, donc ce label, qui est un label finlandais, il me semble, va represser les démos, hein, et les premiers concerts sur un double LP devenu culte. Donc ensuite, eh bien, le groupe n'arrête plus, donc Alan Nemesis, qui est distribué par Black Window Records. En 2020, Portrait of Personal Darkness, donc des morceaux qui sont improvisés live en studio. Et donc on arrive donc en 2023, et eh bien Sinaoff sort 3 albums sur The Ritual Production. Alors c'est en collaboration avec le label de Fabio qui sortait surtout les albums en digital. Donc All Freak Rides, Ballad for the Will of the Whips et une nouvelle version de Portrait of Personal Darkness. Voilà, donc 3 disques qui ont été possibles parce que pas mal de morceaux étaient déjà dispo en digital et le pressage s'en est trouvé facilité. Et puis évidemment la longue amitié de Jasper avec Fabio.
D'ailleurs, Jasper me disait dans le petit courrier qu'il m'a envoyé avec la biographie du groupe, qu'il était très content de cette sortie, elle marchait beaucoup mieux que ce qu'il espérait. Bon, il y a des commandes, évidemment, il a des bonnes chroniques dans l'ensemble, et puis il y a pas mal d'échanges, hein, Jasper fonctionne pas mal avec les échanges avec d'autres labels. Bon voilà, donc il me disait pour lui, tant mieux. Voilà. Donc trois disques, en même temps, c'est quand même un sacré pari, hein, mine de rien. Donc, alors le premier que je vous présente, donc Orphic Rite, alors qui contient les morceaux les plus métal, hein, si j'ose dire, comme Kingdom of Desolation, hein, qui a même quelques passages très rapides, God Watch Us Die, voilà. Ensuite, donc deuxième, donc Portrait of Personal Darkness, alors là, donc qui est une réédition de ce qui était déjà sorti donc, en 2020. Là, c'est intéressant parce que ce sont des morceaux qui sont des expérimentations, hein, des parties qui se succèdent sans que vraiment que l'on sache où les morceaux vont se terminer. Et vraiment des titres qui demandent une écoute à prolonger et surtout une écoute attentive. C'est pas le genre de disque qu'on écoute comme ça en faisant sa cuisine, bien au contraire. Mais c'est extrêmement bien fait, les instruments, les musiciens maîtrisent vraiment bien leurs instruments. Il y a pas mal d'ajouts, il y a des nappes de synthé, des jumblés, des choses comme ça. Et puis donc, Ballad for the Will of the Whips. Donc là aussi, ça, des morceaux assez expérimentaux, de la narration en italien. Il y a un sample de Sarah Bernhardt, par exemple, sur le morceau She Lies to the Swamp, la célèbre tragédienne française, bon, qui à son insu, je pense, donc participe un petit peu à la musique de Sinoff. Hein, voilà. Donc, trois disques bourrés jusqu'à la gueule de musique, et dont les influences sont extrêmement diverses. Il y a du métal, évidemment. Moi, par moments, ça me fait penser un peu à The Gathering, la première époque de The Gathering, la période Always, avant l'arrivée de Lenny Kay au chant. Mais également des groupes comme Pink Floyd, des groupes comme Rush, un petit peu tout ce métal progressif. Hein. Ne vous attendez pas, effectivement, à du métal dit classique, hein, tel que j'ai l'habitude de vous présenter ou d'en écouter. Au niveau du chant, bah, déjà il y a beaucoup de morceaux instrumentaux, hein, mais quand il y a du chant, eh ben, on est loin là aussi des canons classiques, hein, du métal. Bah, évidemment pas de chant au perché à la heavy metal, pas de voix gutturale def, pas de chant grave, mais voilà, des passages avec une voix plutôt aérienne, plutôt posée. Moi ça me fait penser des chanteurs comme Pink Floyd, hein, certains passages, je pense un petit peu à du Syd Barrett, hein, vraiment les premiers Pink Floyd. Enfin, on sent que le groupe a énormément d'influence et surtout n'a pas envie de se cantonner à un style, bien au contraire, hein, il pioche un petit peu dans pas mal de directions, ce qui fait une musique vraiment unique. Voilà, donc c'est vrai que c'est un style qui demande du temps à être apprivoisé. Moi, j'ai écouté ça quasiment tout l'été pour bien m'imprégner de cette musique. Hein. Chaque CD présente une facette du groupe. C'est un peu exigeant en termes d'écoute, mais bon, d'un autre côté, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Donc on ne peut que remercier Jasper d'avoir mis à la disposition de tout le monde eh bien, ce groupe qui mérite vraiment une vraie reconnaissance. Hein. Là aussi, je vous ai mis le lien pour commander les CD en gros. Et puis, si vous voulez entendre du Sinoff, bon, vous en avez. Durant cette vidéo, hein, j'ai mis quelques morceaux en fond. J'ai baissé un peu le son par rapport à la vidéo parce qu'on m'avait dit que bah, parfois le son était trop fort et ça bouffait un petit peu la narration. Voilà, donc j'ai tenu compte de vos remarques. Hein. Et puis on peut trouver du Sinoff assez, je pense, facilement sur YouTube. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes curieux, si vous avez envie d'expérimenter quelque chose de frais, de nouveau et de, à mon sens, de rarement entendu, eh bien n'hésitez pas. À jeter une oreille, à commander un des 10, voire les 3. Voilà, bon, en plus, on sait très bien que je vous ai déjà dit, mais je suis attaché au physique, hein, avec la dernière vidéo que j'ai faite. Mais en plus, je suis attaché à ces labels qui défrichent, continuent, malgré vent et marée, eh bien, à proposer de l'inédit, à proposer des choses qu'on n'aura pas forcément dans les Fnac ou chez les gros labels et compagnie, hein, bien au contraire. Donc voilà pour cette vidéo de Sinoff, hein, je le redis, donc un groupe extrêmement intéressant, extrêmement courageux dans sa démarche. Voilà, moi j'espère qu'ils vont vraiment le plus grand succès possible, hein, parce que vraiment ils le méritent. Voilà. Donc comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas donc, à commenter la vidéo, à me dire ce que vous pensez de Sinoff, est-ce que vous connaissez ce groupe, est-ce que vous ne connaissiez pas, est-ce que c'est un groupe qui vous intéresse, est-ce que vous avez envie que bah, parfois je sorte un peu des sentiers battus de l'underground français pour aller voilà, vers d'autres chemins, hein. N'hésitez pas à me le dire, likez, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche si vous voulez être au courant de toutes les vidéos.
Voilà. Donc la prochaine vidéo de Voyons le Centre de la Scène, ça sera une archive, hein, la numéro 6. Et ensuite, eh bien, on va replonger dans le passé, on va parler d'un groupe, alsacien qui a eu deux noms. J'en ai déjà trop dit, mais voilà, une vidéo rétrospective comme j'aime bien les faire. Allez, salut.